Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur, en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Veuille bénir cette femme qui prie dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec nos cœurs purs au fait de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Christ hier, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps, et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Par ces plaies glorieuses, que le Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumen Christi.
Exulte de joie dans le ciel, la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, car il t'a prise en sa clarté, et son règne a dissipé ta nuit. Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Unissez, frères bien-aimés, votre foi à la mienne, pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon de proclamer à pleine voix ta louange. Dieu invisible, Père tout-puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam, notre Père, et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Car voici la fête de la Pâque, où l'agneau véritable est immolé pour nous. Voici la nuit où tu tireras de l'Égypte nos pères, les enfants d'Israël, et leur a fait passer la mer rouge à pied seul. Nuit où le feu de la nuit est lumineuse, à repousser les ténèbres du péché. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô nuit qui nous rend à la grâce et nous ouvre à la communion des saints, nuit où le Christ brisant les liens de la mort s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel rédempteur. Alléluia. Alléluia.
Ô nuit, qui cela put connaître le temps et l'heure où le Christ est sorti vivant du séjour des morts? Ô nuit dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine, la terre autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle son éclair en cette nuit et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant. Le Christ ressuscité revenu des enfers, qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Garde ton peuple, nous t'en prions, ô notre Père, dans la joie de ces fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et par la puissance de l'Esprit, s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères, nous voici entrés dans la veille sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Maintenant, allez, ne pas donner, vous savez les numéros à nous. Vous avez la somme, par la communauté à nous. Et après le pilote, j'écris la robe, la femme à la femme. Il m'a dit, la robe à l'écoute, donc elle s'en occupe, la femme. Donc, nous savons, au niveau de l'air, que l'eau est à la femme. Au niveau de l'eau, le bouillon de Jésus-Christ, pas de l'eau. De la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut au soir, il y eut au matin,
premier jour. Et Dieu dit, criez au firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessus du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre et il appela la mosse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre a fruit d'homme selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer les jours de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux poissons d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut au soir, il y eut au matin, cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et des sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestiaux de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa.
poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Quelle sera votre nourriture? À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour et toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Safara sangini ak matni
anam kurtu niñu warale ni Abraham tontu ko ne do yalla dina ko fexé utal ñu mburtu niñu warale ni ñu ad dem ñom ñaar be ag fa bere ba ko yalla wonal Abraham sambu fa lotel tek ca matuma mu yew Isaac doma teureul ko ca lotel ba mu dal di botti yasem talal loxom beug reñ doma waye malaka yalla joge asaman oko neko Abraham Abraham mu tontu ne mangi malaka mo tecca ne bullal xale bi te bu ko gañ dara xamna legi ne ragal nga yalla bañu loko jibal sa doom Sadom jiti ben Abraham ekati betam gis ngel xal mu dejjanam la xasu won ci taxasiya mu dem Jeriko jebal ko fa domam waro na jebalu ca kaw asaman malaka borom bi delu wo Abraham ne ko mane wa ci suma bokkal baaxum yalla ndem bañu lo ma jébal sa doom ci di ben dina la may barke yu bare be nga doydu dina yokku sa njureel ba mu dey ni biddeew yi ca asamaan ni salel si ca defes te sa njureel dina daan bañal yëw tas seeni baata ndem jéggal nga ma xeet yi yëpp ci àdduna dinañu baaxteelu ji ci sa njureel baaxul yàlla. Je ne sens pas des croyants en répandant la grâce de l'adoption. Tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Ya Abiyaha Israël, angat na mi dua isin pada yang ada tadi. O ya Rohe ada yang Moise. Fataku o buka menami Hebli Abiyaha Israël dan kota dan Woman. Yori o dogo o letni o bayola to homa bala to hajanien di to fana biane israel ando kamu ma bala to ajak den ngutie to mi amfi bobi wa esi asadi kaho anando kamu ma bala ande maden am jebonam to karo ko ile umpo pakarosun ko gagay bisum ande wa esi ko ande mirefu ko yamlahe yamlal kaw lames ma ko farawon fa karosum fa gagay bisum malaka lo mane ado ina israel abafa madarena to agara na tinden to ella retna ma wiwa ado hokna abafa maden to agara geno na tinden ella agara ngere ire fana no wiwa esit ko hire fana Israel ella are pandora ko niban fa kolan no yongola bo ko yongola fo ti hire wa mbaje madid moyis ale na wayola to ko ma wala o yalo he ara ha ko ma wala o yongola fo na pehe a kenya lumu ala hatna no batanna to awenna ko fika angaja
to abiyahi Israel aloka kamu mabala to ajabden ngube kubiga ambiyoga nentaba nunyama fachanonden Vilwa esip ande panaden to aloka ajinden ko piska parawo fakarosu po hikireum bo kamu mabala ya tamat nafid ko yaloge adita taklo fidelle fona ella ire fana no vidwa esit to afia bolan jai aya ka chapaka no karos den bolan jiga chono domu na nya jala vidwa esit ale aye pati yup pa vidwa israel la mo yaloge anya borobain la osabulen ko yaloge ale aye moise Lepno baila to kumagula patto vite ala kohi to kuiwa izin pakaros den kohi hile den Moiz aletno baila to kumagula Ibetna kumagula ta kohi da madaletna Nubetna kumagula ta kohi da madaletna pada jufa minwa izin angge tohan to ya lohe ama faden kamu magola ubika ya la bo ida amura ire pana paramu fok pakarusum ko hihi re umho wa makina kamu magola ane mana israel oleng naden dakde nda abia israel anyanya kamu magola to ajak den ngube lam ko fika ambia nem taba no nyama ko na jalon den ako o ya lo fi amu le israel na ka baya no min wa isit to israel aga talaha no min wa isit na te sala no ma wala israel aga katil magnum na o ya lo fi afikina o isit mubna israel asadara o ya lo fi Ajima o yaloge o Moïse o tuleru yaga Moïse o miyaha Israël angimana o yaloge ajima lene kene o yaloge alegu. Thank you.
fala to bokna no yawor ko baddena no badna no sala esit o andilo wala no bokne no kerchen ke arefu fi bo win be fop na baxay o gibonge abok no ba ke o fiano na israel to danje o rimano khas ya tanawna yi fop na bele yesu khista o ya Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne ressaisit pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viandes savoureuses. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour le peuple. Pour le peuple, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas à courir vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qu'il lui montrera sa miséricorde vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux ne retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Amen. Unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, d'inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. I'm gonna go get some more.
Amen.
le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles, en habit éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alléluia, alléluia. Yalla mu don suñu ndam ci sé
pas de Abba. Chers amis du Christ, t'es un peu soumbecté là. Parce que chaque fois, soumbecté nous pas, soumbecté la bête. Parce que tout simplement, il y a des fois pas, il y a des fois pas, il y a comme mon blog, sauf nous, ben j'aurais pas de croire, alors, t'es, warudon, besou nakar, warudon, besou tristesse. Coral, le monde de l'ingénieur, vous t'es. Il y a un commencé, vous voyez, mon yon, yon, non, non, il y a un. Voilà. T'es, besou mette, besou condamné, parce que t'es un homme d'homme, tu sais d'aller à petit suivi, baka. Alors, gloire à Dieu, mon plus haut des cieux. Il y a comme tu vois, non, alléluia. Ouais, on est alléluia, souhaite un canet, alléluia. Bien-aimé en Christ, aujourd'hui, dans la nuit de cette Pâque, l'Église universelle, heureuse avec les apôtres, manifeste sa joie, car une chose inimaginable, une chose qui dépasse l'entendement humain, est arrivée. Dans la pâte de cette nuit, nous voyons la lumière qui resplendit. Alors, dis-moi, lumière bleue. Voilà, l'île du Tchaka. L'île du Tchaka. Parce que l'air du Christ, moi, il fait si bougie bleue. Eh bien, je vais faire entre parenthèses, voilà mes yeux. Je vais faire un peu de temps. Parce que nous, quand nous faisons ce que nous faisons, nous faisons ce que nous continuer à faire ce que nous faisons. Nous faisons. Alors, il y a des gens qui nous faisons. Je vais faire un peu de temps pour nous faire. Nous faisons des gens qui nous faisons l'idée. Peut-être nous bertiller l'une ou l'autre fois avant de nous l'intégrer. Voilà. Ce moment ne d'agal pas de bougie Saint-Serge. Alors, quand nous l'écoutons dans ce grand séminaire, à mon aïe, avec des gens, mon nom de témoigne. À mon aïe, nous n'avons pas de témoigne. Saint-Serge, Molen, Yoni. Il nous dégale si Saint-Serge bien. Parce que quand même, les Saint-Serge, vous ne connaissez pas, tout petit chalot, l'eau du bruit, d'un coup et un. Nous, quand même, nous nous tèquons. À plus forte raison, nous n'y parlons pas du cristal de bois. Alors, je l'ai dit, moi, et il est dit, prévenu, pour lequel, je dis bien quel. Parce que nous avons proposé la liste du souffle. Nous avons 200 000 nous proposer, mais nous avons tout de suite Saint-Serge. Quoi faut on va proposer les millions. Il y a une minute de témoignage, donc fais-nous. Alors, tout simplement, demandez-vous hier, dites les niveaux. Parce que vous êtes donc, vous êtes voilà, il y a une situation, quelqu'un qui est né comme quelqu'un, nous avons 500 000 pour vous donner 5 sièges. Alors, 500 000 euros, 1 million d'euros, et il reste. Ouais, c'est un, nous me sommes. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous êtes là, vous êtes. Parce que tout simplement, ça fait partie de ce que l'on appelle les péchés contre l'esprit. C'est la lumière de l'esprit qui lui actuellement dans cette bougie. C'est comme pourquoi Dieu, parce que tout simplement, il ne reste pas là, il ne sent. Vous ne dites pas, vous ne dites pas, vous ne dites pas, vous ne dites pas, en direct. Est-ce que vous avez dit? Vous ne dites pas, en direct. D'accord, pour que vous ne dites pas, parce que amna ñuy dox ci jamono yi lañu gëna wala rakaaji dañuy dugg ci église yépp pour lool sacristain
Voilà, veille sur cela, nous l'avons dit pour veille. Oui, nous tous, parce que nous, quel est le nom de Dieu qui fait le bout de son jardin, de côté, comme nous faisons. Alors, nous devons nous donner, et comme le nous donne, comme l'île nous donne, et voir le cas de la vie, de côté, qui aille vous faire. Est-ce que l'air? Nous n'avons continué alors. Dans la première lecture que nous avons entendue, il nous est fait le récit de l'histoire de la création qui ouvre la Bible. Ce récit qui est un chant d'émerveillement sur la beauté de la création. Il exalte le Créateur en récitant ses œuvres. Tout ce Dieu appela tout à l'existence par la puissance de sa parole. C'est le seul Dieu qui a créé et le ciel et la terre. Le texte dit bien, Dieu dit, c'est dire que la parole de Dieu est créatrice. C'est ce que confirme bien le prologue de Saint Jean, qui dit, au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est-à-dire la parole, était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et tout s'est fait par lui, et sans lui, rien ne fut. En lui était la vie. Et mon mot de Dieu est tout le plus ramené, mon amour, filet d'agnosi. Alors, si Coran dit ça, c'est que Jésus Christ a moué nous Allah. Jésus, Ibn Mariam, moué nous Allah. Nous signons pour nous. Jésus, moué l'Esprit de Dieu. Alors, tout simplement, Dieu, comme l'aîné, voilà, qu'est-ce. Il y a des gens qui vont dire, nous sommes des politiques, pour nous aller faire. Eh bien, qu'est-ce que nous y avons? Nous sommes des monothéistes et nous croyons en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme connaissez-vous nous, après nous dire le corps, l'âme et l'esprit. Madame Bouddhé, c'est d'abord Dieu qui reprend son esprit, cet esprit qui nous donne vie. Et il y a alors séparation entre le corps et l'âme. Le corps qui doit aller pour la corruption, Madame Nekosoul, et Abdi, Madame Sounoufit, d'Emtiyal en vue du jugement. Waïwa, waïwa. Vous faites qu'elle est une belle. Il y a une dimension et un timon. Madame le corps, l'âme et l'esprit. La routine y a le monde qui a été coupé, c'est quelqu'un qui a maîtrisé le monde. Mon tabit coupé, il y a une dimension et que sont le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Père, mon mot est au timon. Le mot, si le bâton est du doué, bâton est mon mot, Jésus Christ. Jésus Christ, c'est l'amour du Père et du Fils. Alors nous ne sommes pas des polythéistes. Car on dit bien, il est venu révéler l'image du Père éternel. Jésus Christ, quand il y a le massacre, les plus anti-agnosi, parce qu'il imprime en chacun et en chacune de nous, voilà le visage du Père bien-aimé. Mon bien ramené, et en sa personne, puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme, par le mystère de l'incarnation. Alors, c'est dire que nous avons trois grands mystères, et chacun de nous doit le comprendre. Les trois grands mystères, ou
bien les trois dogmes chrétiens, c'est d'abord, hein, la Sainte Trinité, Dieu, un seul Dieu en trois personnes, le mystère de l'incarnation, Madame Jésus-Christ, Adjari Atiyarov, Dachik Maria, Afiye Roro, Okin, Dieu qui se fait homme. Et troisième mystère, c'est le mystère de la rédemption, c'est-à-dire la mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces trois grands mystères nous donnent la victoire sur Satan. Alors, les deux de nous, oui, vous parlez pas. Victoire, alléluia. Alors, au bout de la vie,
de réfacturer hormis Adam. Tu n'es plus enfant d'Adam quand tu reçois le sacrement du baptême. Parce que Dieu te lave en te pardonnant tous tes péchés et surtout le péché originel, et il fait de toi enfant de Dieu. Alors nous ne pouvons pas nous ramener à je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Alors sachons que nous sommes tous des amis de Dieu. Alors taï, mani nyan yal, momi ané dardo, yal ne yal de moitié nera. C'est vraiment jam koli yep. Quand vous finissez, vous avez un peu de temps pour vous faire un peu de temps. Vous avez un peu de temps pour vous faire un peu de temps. Vous avez un peu de temps pour vous faire un peu de temps. Vous avez un peu de temps pour vous comme Saint-Pierre nous pouvait voir. Le lion comme le Satan comme un lion qui rugit. Va et vient à la recherche de sa proie. Vous avez un peu de temps pour vous faire un peu de temps pour vous faire un peu de temps. Ma dieu, les fous. Yalla leera ay Christa bi fekk ci kep ku nek ci ñun kérok di yegg ci aljana tay ba ca mos ko mos amen di toi.
lorsqu'il était en poids, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, et renaisse de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. » Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh,
Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec, pour que la grâce libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaisse de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. »
sumay mbokk ci kongu barji and nañu ak Christa bi soobu ca deyam te roobu ca karmelam ca baptisé ba ndax ñu ànd ak moom di dund bu bees. loolu tax ba ñu daanee suñu yaram ba sottal ca jamono koor gi nañu ànd jollanti suñu ndige bu baptisé bu sedd bi ndege waatoon nañu booba ne xàcc nañu ak seytaane te digee woon nañu ne dinañu gëm ci yàlla aaji dund aaji dëgg ak ci doomam Yesu Christa ak ci jàngu catholique bu sedd bi. léegi ñépp tontu di tollanti ndigéeyu baptisé vous allez répondre waaw xàcc nañu. ndax xàcc ngeen ak seytaane xàcc ak bàkkaar xàcc ak lépp li leen mën a yóbbu ci bàkkaar. ndax xàcc ngeen ak bàkkaar ndax ngeen mën a dund nit ki doomi yàlla ak xol bu yaatu. ndax xàcc ngeen ak lépp li leen mën a xiir ci bàkkaar ndax ngeen rëcc ko. ndax xàcc ngeen ak seytaane mi sos bàkkaar ndax ngeen mën a topp Yesu Christa. vous répondez waaw gëm nañu. ndax gëm ngeen ci yàlla bàyyi borom kattan bindkattu asamaan ak suuf. ndax gëm ngeen ci Yesu Christa doomam ci di benn suñu borom mi judd ca Mariama xej ba sonn te dee ba ñu rob ko mu dekkaliku ca ñu deeña toog ca ndey jooru bàyyi bi. ndax gëm ngeen ci xelmu sedd mi jàngu catholique bu sedd bi ndigaale ga ñu sedd ña baaxum bàkkaar dekkin yaram ak dund ga du jeex ga. yàlla borom kattan bàyyi suñu borom Yesu Christa judduwaat loo nañu ci ndox mi ak xelmu sedd mi te baax nga suñuy bàkkaar nañu barke yiwam denc ci cofeelu Christa bi ba ca dund gaddu jeex ga. amen. Une certaine autorité se laisse convaincre par le message pascal et soit prêt à se donner entièrement pour le développement des peuples. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous.